Hey team, j'espère que t'es en forme pour ouvrir la case 24 de notre calendrier de l'Avent. 24 ? Attends, Noël, c'est aujourd'hui ou c'est demain ? C'est un peu à cheval entre les deux, on sait jamais. Bon, aujourd'hui, on va se faire un petit répertoire de tout ce que tu vas pouvoir manger potentiellement ce soir. Donc là, l'idée, c'est de te mettre un peu l'eau à la bouche. Ou pas. Enfin, peu importe. C'est parti. Allez, go, c'est parti. On va commencer au sol parce qu'on va passer pas mal de temps au sol. Allez, on va nous allonger sur le dos. Hop là. On s'allonge confortablement. Placez les mains ici le long du corps. On va venir lever les jambes et poser les pieds. Ici, engagez un peu le bas des abdos. Pose et on lève. On va faire un petit répertoire cuillère avec le corps. Ok, on va pas mal activer le centre du corps. Alors ici, poussez les mains au centre, entre les deux genoux. On pousse, on pousse, on pousse et on pousse. Restez ici à l'extérieur de la cuisse. On pousse d'un côté, gardez les deux mains jointes. Voilà, deux, un, on change, on pousse au côté. Très bien, ça commence à chauffer un peu. Maintenez bien les deux épaules au centre. Les deux épaules sont décollées. 4, 3, 2. On va pousser les mains au-dessus des épaules pour augmenter la tension ici au niveau du centre. On va faire la même chose en poussant les bras en arrière. On continue à décoller les épaules. Les dernières répétitions. Ok, très bien. On va relâcher un peu avant de commencer notre premier mouvement. S'appelle le boudin. Le boudin. Ici, on va placer la main sur l'épaule, la main sur l'épaule, comme un boudin qui est tout comprimé à l'intérieur. Ici, on va venir placer les deux pieds au centre. Vous avez la possibilité de garder les pieds au sol ou alors de lever les jambes en les allongeant. Ici. Ok ? Le boudin, c'est un petit peu comme ça. Ici. Ici, venez sortir sur le petit crunch. On garde le menton d'entrée et on se pousse vers l'avant. Allez, allez, on pousse, on ramène, on pousse, on ramène. On souffle à chaque fois que l'on monte. Des petits mouvements. Un boudin, c'est pas très mobile. On fait des tout petits mouvements, d'accord? Au deuxième tour, on pourra allonger les jambes si ça va aider pour ce mouvement-là. Deuxième mouvement, c'est la dinde. La dinde, on place les pieds au centre, si vous voulez, vous pouvez même croiser les pattes ici ou alors garder les mains ici sur le centre, garder les pieds sur le centre. Et ici, on va venir faire, ici les mains sont sur les épaules, mais l'épaule du même côté. Et je vais venir twister d'un côté, twister de l'autre. Avancez le coude, ici votre aile là au centre. Voilà, très bien. On arrive à présent sur la bûche. La bûche de Noël. On va venir placer les avant-bras au sol, les mains sur le centre, les deux pieds au sol ou alors les genoux au sol. Choisis. Soit l'un, soit l'autre. Allez, on garde la planche, les genoux ou les pieds. Très bien. On est presque. On lâche. Maintenant, on va faire une tosse contre le droit. On va rester sur le dos et on va venir ouvrir et refermer. La tosse, c'est rond, dessiné comme un arc de cercle ici. Comme ça, on travaille le dos comme ça. Par devant et on tire. Par devant et on tire. Très bien, la transition, c'est main au sol. Et je vais remonter, je vais allonger, hop là. Maintenant je vais avancer les mains, comme ça. J'ouvre et ensuite je referme. Donc on va ramener les mains ici proche des pieds. On avance doucement, on revient sur une planche bien solide. Et ensuite on remonte tranquillement jusqu'à replacer les mains ici proche des pieds. On avance, on tourne. Et on revient sur le boudin.
ici, au bout d'un. Les deux pieds là, ou alors là. Ici, on pousse, on pousse. Pensez à bien maintenir le bas du dos au contact du sol pour être sûr de ne pas se faire mal. Si ça décolle, alors pose les pieds au sol et tout simplement, on continue sur les petits mouvements, sur les petits crunchs. Voilà, on arrive sur la dinde. On connaît bien le mouvement maintenant. Ici. Et on souffle ici en plaçant les coudes au centre. Allez, le bassin reste fixe. On garde les cuisses en ouverture comme ça. Et on souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Ok, super. On va venir sur un demi-tour. En position pour la bûche. C'est une bûche glacée, une bûche solide. Allez, on tient. On contracte les fessiers. On pose les genoux en option. Ou on tient ça. Allez, très solide. Elle sort du congélateur. Pousse les coudes dans le sol. Encore, 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 encore. Et on relâche. On est face au sol, on reste face au sol. Et on vient toaster avec du foie gras. Voilà, on écarte les bras. Lassez les mains devant, juste devant le front. Tirez le coude en arrière. Voilà, super. On pousse toujours les deux pieds en arrière. On travaille les muscles du dos. Yes. Très bien, on va pouvoir placer les deux sols, remonter et redescendre. On revient en haut et on revient en bas. En ouverture et on referme. Et on ouvre. Et on ferme. Très bien, allez, retour. Transition au sol, on est à la moitié, il reste deux tours. Allez, revenez sur les crunchs. Plus motivé que jamais. À ne pas être un boudin, on évite ça. Donc, on fait ce mouvement. Allez, on pousse. On décolle les épaules, on rentre le menton, on allonge les jambes si besoin, de plus d'intensité. Allez, encore, 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 encore. On passe à dinde. On place les pieds ici, on ouvre les genoux au max et c'est reparti ici. Une fois à droite, une fois à gauche, je pivote. Allez, encore. Est-ce que c'est un film de Noël? Toujours. Allez, on y est presque, on y est presque. Super. Allez, la bûche, solide, solide la bûche. On regarde entre les bras, on pousse les mains loin en arrière, on contacte les fessiers, on regarde entre les bras toujours, on allonge le dos, on rentre le menton, on pousse les coudes, on max dans le sol, et ensuite on relâche, on remplace le bassin bien au sol. On ouvre et on fait un tour étalé. Allez. Allez. On y va, on y va, on y va. Croisez les bras devant. Un au-dessus, un en dessous. Les dernières répétitions, 5 secondes. Yes. Allez, donne tout, donne tout, donne tout. Voilà. Ça, c'est bon. On vient ouvrir et fermer. On monte. Et on redescend. Allez-y. À votre rythme. Pas besoin de le suivre. Pas besoin de suivre la musique non plus. On revient au sol. Allez.
chercher à ce que c'est bon le boudin. Si tu veux pouvoir en manger, ça il faut le faire avant. Pas le choix. Allez, on va. On travaille dur sur cette dernière série. On donne tout ce qu'il nous reste. Allez. On évite de se faire mal, toujours une bonne position. Le bas du dos bien plaqué sur le sol. Allez, c'est le dernier tour. Il ne reste que 2 minutes d'effort, seulement 2 minutes d'effort. On replace ici. En mode fin. Allez. Les petites ailes de la langue qui viennent au centre. Allez. On écarte le coude vers l'extérieur et on ramène le coude vers l'intérieur. Allez. Encore. Genoux large. Les pieds au centre. Je twist. Je twist les épaules uniquement. Voilà, deux fois. En mode. Il reste plus rien maintenant. Troisième mouvement, il ne reste pas que deux après ça. Gardez bien les coudes au-dessus des épaules. En-dessous. Ok, stop. On revient au sol. On s'aplatit sur le sol. Au centre, on ouvre. Au centre, on ouvre. Tirez bien les coudes en arrière. Tirez, tirez, tirez. Voilà, ça chauffe plus comme ça. C'est ça, parfait. Allez. Et on souffle. Yes. L'outre. On reste ici. On pousse avec les jambes. On avance. Allez, on vient toucher les pieds. On vient en planche. On vient toucher les pieds. On vient en planche. Et voilà. Du beau boulot. Bon, on a tout défoncé ici. Non, c'est pas grave. Et il ne nous reste plus qu'à récupérer. On ouvre les bras. Et on relâche. On étire les épaules. On a quand même pas mal engagé sur l'ouverture de l'huître. On relâche bien les bras ici. Voilà, très bien. On va garder les deux pieds orientés vers l'avant. Allongez les jambes. Placez les mains sur les hanches. Et hop, voilà, on pousse les pieds derrière. On garde les bras. Puis on relâche le haut du corps, on laisse tomber les coudes vers le bas et on remonte. On déroule, voilà, on ouvre une nouvelle fois. On relâche les bras. On va étirer un petit peu les abdos. Donc gardez bien les deux pieds collés, poussez les mains très haut et pensez à contracter les fessiers au maximum. Allez, on monte, 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 monte. On va s'incliner sur le côté, on pousse les bras sur le côté et on revient sur le centre. On pousse les bras sur le côté et on revient sur le centre. Voilà, on relâche les bras, on étire l'épaule droite, on étire l'épaule gauche, on relâche les bras. Là, je pense qu'on a bien bossé. On va terminer ici avec une petite marche pour la récup, marche de récupération. Allez, on va lâcher les bras encore un petit peu. On respire amplement. On apprécie le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant. On peut être fier de soi. Oui. On a le droit. Excellent. Relâche la droite, relâche la gauche. Excellent travail. Mad Fit Team, bravo, je suis fier de toi. Tu peux être très fier de toi. Tu gères. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu gères. J-1 avant le grand jour. Mon plus grand rêve, ce serait de rencontrer en vrai le vrai Père Noël. Ce serait dingue. Quel est ton souhait à toi pour Noël? Quel qu'il soit, je te souhaite qu'il se réalise cette nuit. Joyeux Noël à toi et à toute ta famille. N'oublie pas, il reste encore un jour. Demain est le dernier entraînement
la dernière case, le dernier gros cadeau que je peux te faire. Non, il y en aura d'autres. T'inquiète. Enfin, demain, il sera un peu spécial. J'espère qu'il va te plaire. Donc, à demain. D'ici là, bonne récupération, bon réveillon. Restons connectés, motivés, toujours prêts à tout donner. Allez, salut !